Je m'appelle Éric de Saint-Léger, j'ai 48 ans, je suis le directeur de l'IUT de Cergy-Pontoise depuis 2012. J'enseigne en économie et gestion, et plus particulièrement en management, et j'ai un dada, c'est l'accompagnement des créateurs d'entreprises. Première question. Trouvez une citation ou un mot qui vous vient à l'esprit pour définir l'IUT. Alors pour parler de l'IUT de Cergy-Pontoise, la phrase qui me vient à l'esprit, c'est l'IUT, c'est un esprit de famille. Et si je veux être plus précis, c'est pas une famille, mais c'est 9 départements, une direction, c'est 10 familles, avec tous les bons côtés que cela peut avoir au quotidien pour nos étudiants, et y compris pour nous dans notre travail. Voilà, c'est le mot le plus important pour moi. Je vais prendre une autre question. Le jour où, moment particulièrement intense pour vous à l'IUT? Eh bien, le jour plus important, c'est le jour où j'ai passé l'audition pour devenir enseignant à l'IUT de Cergy-Pontoise. C'était en décembre 1997. Je me souviens des collègues qui étaient présents, je me souviens du directeur qui m'a recruté, je me souviens des questions qui m'ont été posées, et je pense que je n'étais pas conscient de l'importance de cette audition. Puisque de fait, une fois que j'ai été pris, j'ai fait toute ma carrière au sein de l'IUT de Cergy-Pontoise. Et je suis ressorti d'audition me disant « ça s'est plutôt bien passé », mais sans savoir ce qui allait se passer après. C'est un excellent souvenir. Je prends une troisième question. Comment définiriez-vous l'IUT, on va dire touch, la touche IUT? Je vais répondre en français, c'est plus simple pour moi. On a travaillé il y a quelques années sur les valeurs de l'IUT. Accompagnement, exigence, innovation. Alors évidemment, quand on a commencé à travailler sur ces questions-là, on s'est posé la question, est-ce que c'est que de la communication que l'on fait? On a beaucoup réfléchi, on a produit ces mots-là, et bien je pense qu'on a bien choisi. Et ces mots-là, ils reflètent qui on est. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la plupart d'entre nous, on est d'accord avec ces termes-là. Et bien c'est ça, l'IUT Touch. Voilà pour ces trois questions.